Des défis explosifs, des rugbymen affûtés, qui sera le meilleur challenger? Go! Total Challengers. Les deux challengers du jour sont d'un côté Louis Dupichot, surnommé Dupiche, et de l'autre Pierrick Gunther, dit la Gunt. Louis, Pierrick, monsieur, salut. Défi numéro 1, le coup de pied tendu. 3 cibles, 5 coups de pied par joueur. Plus on prend de risques, plus on marque de points. Pierrick, tu commences, c'est sûr? Tu règles la distance un peu. T'as le vent contre toi, c'est le Mistral. Hein. C'est pas mal. Oh là 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 là. Dernier. Pierrick, 0. Allez Louis, un ballon, t'as gagné. C'est déjà gagné? Ouais, mais on continue pour le plaisir. Je joue le challenge du 3, attends. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon Pierrick, j'avoue que t'as fait un sans faute, mais à l'envers. Ouais. Voilà. Je vois, c'est la malchance, quoi. Parce qu'à l'échauffement, t'étais bon, quand même. On va essayer de retrouver l'image de l'échauffement. Premier ballon, défi normal, mais maintenant, attention, défi de force. Défi numéro 2, le porteur d'eau. Un défi où l'endurance est le maître mot. Attention, ça mouille. Moi, je suis pas trop à pression, c'est plus Pierrick qui doit avoir la pression. On va voir si ça réussit ou pas. Hein. Prêt? Pierrick, tu sais que Louis a joué au Racing. Tu sais que j'ai une petite préférence quand même. Oui, je vois. Je peux faire un truc, par exemple, juste un peu comme ça, tu vois. Ça te ferait du bien de prendre un petit peu d'eau, là, non? Bah, je crois. Ouais, tiens. T'as mal à l'épaule, peut-être? Non, ça va. Non. Ça va, les gars? Ouais, je lâche. Pierrick. Non, je faisais exprès de lâcher un peu, du moins, de faire un semblant, ouais. Quoi, au moins qu'il... Il soit pas ridiculisé. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Je préférais faire tomber la bassine parce que je voulais pas qu'il perde devant tout le monde, toi, donc... Donc du coup, un partout. Un partout. Donc maintenant... La belle. Défi numéro 3, le crâne d'œuf palois. Un quiz rugby, une boîte d'œufs ou cru ou cuit, un vrai casse-tête pour les joueurs. Messieurs, dans quel stade jouait la section paloise avant le stade du Hameau? Le stade de la Croix-du-Prince, le stade Jean Daugé, le stade du Crabe à Pince. En quelle année la section paloise a été créée? Et... Oh, comme moi. Tu l'as dit. Non, j'ai rien dit du tout. C'est 1902. Et vous allez choisir chacun un œuf pour l'autre. C'est dur. Trop putain. Quel est le plus gros écart de points dans un match de Coupe du Monde? Allez! Quelle est la différence de poids entre Pierrick Gunther et toi, Louis Dupichot? ...85, 108. Donc ça fait combien? Ouais, c'est 23. 23. C'est lui qui a... Ils sont tous comme ça! Ils sont tous! Il n'y a pas un dur, hein, je te le dis tout de suite. Je vais avoir des beaux cheveux. Allez! Allez. Bon, le défi est gagné par Louis. Sur quoi t'as fléchi? C'est joué au pied. On tapait du pied gauche, donc toi je lui donnais une petite chance pour gagner. Sur l'histoire du rugby, là aussi tu perds des points. C'est la Coupe du Monde, elle m'a fait défaut aussi. Bon, merci les gars. De rien. Allez, tiens. Tac. Ah bah oui, ça. Ah bah non, il est dur. Ah, il est dur. Pas de choix. Merci.